Sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow. C'est génial, il y a plein de logos dessus, c'est parfait. Ce premier voyage dans le bus, c'était comment? Super. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai discuté, on a parlé, on s'est bien amusé. Et qu'est-ce qu'il a de particulier ce nouveau bus? Il est beau, il y a des belles peintures et il y a notre logo dessus, donc c'est parfait. Vous allez aller où avec ce bus-là? Partout. Où partout? En déplacement. Il fait la surprise que normalement on devait avoir le bus la semaine passée, puis pour finir ça ne s'était pas fait. Et donc on leur avait fait la surprise. Et dès qu'ils ont vu que c'était le bus du club qui allait les véhiculer jusqu'au Lyrse, c'est sûr qu'il y avait une bonne ambiance. Le matin, généralement, lors du sur le trajet de l'aller, bien souvent ils sont un peu plus calmes, regarder un film tranquillement, mais là non, ça commençait à chanter et tout ça. Et on est arrivé un quart d'heure juste avant le coup d'envoi du match au Lyrse. Et non, d'habitude on aurait eu peur que justement ils aient un peu du mal à se mettre dans le match. Et là, je pense qu'avec l'échauffement qu'ils avaient eu dans le bus, il n'y a pas eu de problème. C'est vraiment un plus parce que même les enfants et tout ça, tout le monde est fier, tu passes un peu dans la rue, tout le monde te regarde, voilà, c'est sûr que les enfants sont fiers pour ça, mais c'est aussi un plus par rapport au déplacement. Voilà, c'est notre bus, on ne doit plus non plus faire des démarches pour avoir des bus et des choses comme ça. Voilà, c'est une bonne chose d'en avoir un déjà. La particularité qu'on peut avoir, c'est que on a dû passer à travers Malines et sur les côtés de Lyrse, on se rend bien compte qu'on regarde le bus, ça c'est sûr. Et je pense que c'est, en plus des résultats de nos équipes, je pense que c'est la meilleure image qu'on peut véhiculer. Ouais. Déjà là, avec les cuissons sous le côté, ça fait vraiment, vraiment beau. En tout cas, les gens s'arrêtent pour regarder le bus. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de bus aux effigies d'un club qui circulent, en tout cas dans le coin et même plus loin dans la Belgique. Ouais, ouais. Il y a combien de places en fait dans ce bus? Plein. 36. Je crois 36. 36, c'est pas un peu peu? 56. Oui. Est-ce qu'il y a des télés dedans au moins? Oui. Est-ce qu'il y a un minibar? Non. Il y a des toilettes par contre, hein. Avant il n'y avait pas de toilettes? Enfin si, mais... Des moins belles. Là elles sont trop belles. Là elles sont trop belles. Ouais, trop. Des espoirs à l'équipe première, tout le monde aura le droit à avoir le bus. Au moins une fois sur le mois, si pas bon, l'équipe première beaucoup plus, mais voilà. Effectivement, c'est tout le monde qui a le bus. Ouais. La première idée, c'était un système de crowdfunding. Donc un crowdfunding qui dit que chacun peut être libre de mettre sa petite participation. Le crowdfunding a permis de réunir, je pense, pas loin de la moitié de la somme du bus. Et puis alors après, il y a eu des aides, je pense, à la région Wallonne et tout ça, qui ont aidé. Crowdfunding, que ce soit des gens, des anonymes qui ont mis, les parents, les sponsors, les supporters, tout le monde a participé. Et quand il y a eu cette idée de crowdfunding, bien sûr, il y a toujours des détracteurs, mais c'était une très très bonne chose d'avoir fait ça. Et ça a permis d'amener certains subsides, en tout cas, et c'était bien. Oui. Ça a permis de montrer que tout le monde était là aussi pour le club et pas seulement les gens qui travaillent, en tout cas. On peut se la péter quand on va en déplacement, alors. Ouais, beaucoup. Et on chante. Le Lyrse, c'était comme ça. Oh,